En France, 6 millions de personnes sont concernées par un trouble auditif. La mairie de Tourcoing possède depuis 2010 une boucle magnétique. Elle permet aux malentendants de suivre les réunions sans être gênés par le bruit environnant via un branchement relié à un boîtier. Cet outil est destiné aux personnes déficientes auditives, appareillées d'une prothèse auditive. L'idée est donc de leur permettre de mieux prendre part à la vie publique, mais aussi politique. Plus de précisions avec Véronique Grunessen, adjointe au maire et malentendante. Le seul changement pour les personnes handicapées auditives, c'est d'avoir un petit appareil comme celui-là qui permet d'avoir plusieurs canaux. Alors le premier canal, on l'entend normalement, comme tout le monde, disons, par son appareil. Le deuxième canal, plus exactement, permet d'entendre et dans la boucle magnétique, c'est dans le micro, et ce qui se passe autour, dans la salle, tout le bruit extérieur. Et le dernier canal, qui est le plus intéressant, c'est qu'on écoute directement ce qui se passe dans le micro, ce qui se dit dans le micro, mais on coupe tous les bruits extérieurs. En fait, il n'y a pas besoin d'être équipé. Il faut que la pièce, évidemment, soit équipée, donc d'une boucle magnétique, et toute personne malentendante, à ce moment, pourra utiliser par un récepteur adapté. Donc si une personne n'est pas appareillée, elle utilisera un petit récepteur standard. Si elle est porteuse d'aide auditive, elle porte des appareils auditifs, elle a une fonction sur ses aides auditives qui permet de recevoir la boucle magnétique, et si elle est implantée, elle porte des implants cochléaires, elle a la possibilité aussi de recevoir ce signal.